Bonjour. Bon, comment ça va? Est-ce que vous avez suffisamment de crédit en banque? Est-ce que vous avez suffisamment de voitures dans votre garage? Pour ma part, non. Il m'en faut un petit peu parce que tout simplement j'ai encore des distinctions à faire et j'ai encore des voitures à acheter pour faire certaines de ces distinctions. Donc je suis à 37 516 771 crédits. Mais j'espère qu'au terme de tous les tirages que j'ai à faire, je repartirai avec un petit peu plus d'argent en banque. Parce que comme je vous ai dit, j'ai des trucs à acheter. Allez, on est parti, on commence par quoi? Les tirages ou les super tirages? On va faire les tirages tout d'abord. J'espère que ça va être plutôt sympa. 43 tirages. J'ai pas mal joué, j'ai pas mal farmé. Et je repars avec un bonnet pour commencer. Je vous l'ai dit, vous le savez, je n'achèterai pas les fringues. Je n'achèterai pas les fringues, non, je veux garder tout le suspense. Et là, j'ai l'impression que le suspense, il va pas y en avoir. Parce que j'ai l'impression que ça va être assez pourri. C'est tirage, une Mazda. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre d'une Mazda? Je ne veux pas de Mazda. Je veux de la thune pour acheter ce que moi, j'ai envie d'acheter. Et ce dont j'ai besoin. 125 000. Ça, c'est pas mal. Ensuite, on continue. Oh oui, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal parce que je crois que je ne l'ai pas. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on continue. Une Porsche 911 Turbo S de 2014. Plutôt sympa. Je suis en train de remplir mon garage, mais je remplis pas mon garage avec les voitures dont j'ai besoin. Zut! 40 000 crédits. Ensuite, Mustang GT. Le problème, c'est que les Ford Mustang, il y en a tellement dans le jeu que je sais même plus les reconnaître. Apparemment, je l'avais déjà. 20 000 balles. Ça fait pas grand-chose. Vous m'excusez pour les cadeaux, mais pour l'instant, j'essaye de penser à ma cagnotte. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Voilà. D'ailleurs, on reparlera peut-être garage assez prochainement et assez rapidement. Je vends ça pour 20 000 crédits. C'est parti. Ensuite, une Viper SRT 10. Je l'ai pas déjà, celle-là? Ah ben, apparemment non. D'accord, ok. Oh, magnifique Can-Am qui ne m'intéresse pas du tout. 250 000 balles. 250 000 balles, je veux les 250 000 balles. Est-ce que je vais repartir avec une... Et pourquoi est-ce qu'il faut qu'il me file des bagnoles japonaises? J'en peux plus là, arrêtez. Ensuite, Audi TTS coupé, je l'avais pas encore, ok. Là, je vois des choses, je vois du pognon. Ah, j'ai vu 250 000, ouh, ça c'est pas mal. Alors ça c'est pas mal. Je l'ai déjà, mais ça c'est pas mal parce que je me demande combien ça se revend. Alors qu'est-ce qu'il faut faire là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il vaudrait mieux garder la bagnole ou est-ce qu'il vaut mieux la vendre pour 250 000 crédits? Vous voyez, ça, j'ai pas vraiment, j'ai vendu deux bagnoles aux enchères, c'est tout ce que j'ai fait dans les enchères, je suis pas allé fouiller. Est-ce que ça vaut le coup? Vous me le direz dans les commentaires, je n'en ai aucune idée. Moi, allez, je récupère les 250 000 balles, je ne sais même pas combien de place il y a dans le garage pour l'instant, mais en tout cas, on va pas l'encombrer plus que nécessaire. C'est là, je l'ai, je crois, non? Ah, je l'avais pas, oh la vache. Au jeu de j'ai pas, je perds systématiquement. Hein. Par contre, je note que depuis la dernière mise à jour, j'ai l'impression que les tirages sont un peu moins généreux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'on gagne un petit peu moins facilement de la thune. Parce que là, j'ai quand même beaucoup de fois des petites sommes. Et je suis assez mécontent. Ouais, 90 000 balles. Qu'est-ce que tu veux que je foute avec 90 000 balles? Non, ça va pas ça. Ça ne va pas. Ils ont fait beaucoup trop de changements dans ce jeu. Et on se retrouve avec beaucoup trop de voitures dont on n'a pas besoin et de crédits qui sont vraiment trop faibles. Ça ne va pas, ça. Je ne suis absolument pas content. Un klaxon formidable. Oh, il ne me reste plus que 25 tirages. Il me faut de la thune, 100 000 balles. Ça, c'est pas mal. Mais, non, mais tu vois, alors, mais... Non, mais sans déconner. Ah, dans les précédents tirages, je gagnais 250 000, je gagnais 125 000, je gagnais des trucs conséquents. Là, je vois que des petites sommes. Et j'ai jamais vu le million. Le million, je l'ai jamais vu. 175 000, c'est correct. C'est correct. La Porsche. Carrera GT, je crois que je l'ai pas celle-là. Effectivement, je l'avais pas. Ensuite. Je crois que je ne l'ai pas. Bien vu! Oui. Parce que celle-là, je l'ai pas. J'ai la Sesto Elemento FE. Mais je n'ai pas la Sesto Elemento normale. Yes, ça c'est pas mal. Ça vaut de la thune tout ça. Ça vaut de la thune.
Par contre, le vieux klaxon, je m'en fous un peu. On continue ? Allez. Oh, pas mal. Je ne l'ai pas non plus, cette voiture. Je ne l'ai pas non plus. Ah, eh, il y a quand même des trucs dont je me souviens. C'est quand même pas négligeable. Qu'est-ce qu'on a encore ? 25 000 crédits, ça, c'est nul. 100 000 balles, c'est pas mal. Une esc... C'est là, je l'ai déjà, je crois. Ah non, je l'avais pas. Oh, merde. Alors, attends, attends. Il y a de nouveau une voiture FE, là. Il y a de nouveau une voiture FE. Et je tombe sur 40 000 balles. C'est pas cool du tout. Je serais quand même curieux. Faudrait quand même que j'aille faire un tour dans la salle des ventes aux enchères. Faudrait quand même que j'aille regarder un petit peu ce qui se fait par là-bas. Et avoir une notion un petit peu, tu vois, une notion de, du prix des bagnoles. Est-ce que c'est judicieux de les récupérer ou de les rebalancer ? À voir. Bon, 250 000, je suis d'accord. Là, ça vaut le coup. Ensuite, 35 000, je ne suis pas d'accord. Ensuite, 90 000, ça commence à venir. Alors, superbe lunette de soleil ronde noire. Formidable. 45 000. 30 000. 150 000. 175 000. À chaque fois ça monte, c'est bien, continue comme ça. 175 000. Et 45 000. Non ! Allez, il me reste encore quelques tirages. Après, on fera les super tirages. Est-ce que dans les super tirages, j'aurai plus de chance ? Je ne sais pas. Une Toyota, Supra. Pff, ouais. 300 000 balles ! 300 000 balles ? Non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non ! 100 000 ? And the last one ? Allez, le dernier. On laisse tourner le dernier. Une i8. Ah, pas mal. Je ne l'ai pas, celle-là. Bon, écoutez, franchement, c'était pas trop mal. C'était pas trop mal. On va quand même faire des super tirages. Combien j'en ai ? J'en ai plus de 9. J'en ai plus de 9. J'en ai 12. C'est bien, ça. Attention. BMW, Falcon. J'avais la Falcon. Ok, la BM, je l'avais pas. Donc, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a ici encore ? Oh, ça, c'est pas mal. 200 000, 125 000 et une Ford coupée de 32. La Ford coupée, je crois que je ne l'ai pas. Exact. C'est pas négligeable. Ça aurait pu être mieux. Le 45 000, il est pas top là dans le tableau là. C'est pas bon ça. On continue. Alors la Mini, je sais même plus si je l'ai. La Mini, je l'ai pas et la BM, je crois pas que je l'ai non plus, il me semble. D'accord, ok. Le mec, il a vraiment tout faux. 275 000 balles. La Ford de 1940. Ensuite, ah non, c'est passé à côté le pognon. La Mini. Est-ce que je l'ai, est-ce que je l'ai pas ? Aucune idée. Bah, je l'avais pas, ok. Enfin, faut croire. Moi, je crois à le jeu, hein. Le jeu sait ce qu'il fait, hein. Il est parfaitement en état de fonctionnement. Allez, 210 000 crédits. Allez, une Toyota MR2. J'adore ce nom. J'adore ce nom. Ils l'ont bien trouvé ce nom, surtout pour la France. Ensuite, une Subaru BRZ. Celle-là, je crois que je l'ai. Eh oui ! Je connais mon garage, mais comme ma poche. Ensuite... Ah non, alors j'ai la boost de prouesse de drift. Je l'ai, celle-là. Celle-là, je l'ai. Et ça se... Alors apparemment, de ce que je vois, une voiture FE, ça vaut 250 000 crédits. A priori, on en a eu deux là dans les tirages et à chaque fois c'est le même prix. Est-ce que ce serait le maximum pour les bagnoles FE ? Grande question. Ensuite, ouh, AMG GTR, Dodge Viper et une robe bain de soleil à pois bleu. Formidable. J'avais aucun des trois, c'était très bien. Oh, j'ai de nouveau une voiture FE. J'ai de nouveau une voiture FE et ça c'est pas mal parce qu'il me semble que la Mercedes G65, il faut l'utiliser pour faire certaines prouesses dans les distinctions, mais je sais plus lesquelles. Est-ce que la Mayer Manx, est-ce qu'elle va se vendre le même prix ? 250 000 balles. Donc c'est bien ce que je disais, a priori, toutes les voitures FE, dans les tirages, si vous les gagnez, vous les revendez 250 000. C'est pas mal. La Lotus Elise, je l'avais déjà aussi. Allez, ok. And the last one. Oui ! Oh là là ! Ah, ça c'est beau ça. Ça, c'est beau, ça. 250 000, 175 000, 90 000.
C'est pas mal. Je ressors avec combien ? J'ai 42 333 271 crédits. Écoutez, franchement, c'était plutôt fructueux. À savoir également que, dans la collection de voitures, qu'est-ce que j'ai de beau là-dedans ? 24 bagnoles j'ai gagné. 24 nouvelles bagnoles dans les tirages. 24. Il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Qu'on me dise pas que ce jeu n'est pas généreux. Alors autant sur les crédits, il est peut-être un petit peu moins qu'FH4 et FH3, d'autant plus qu'on n'a plus de Forza Hub, mais au niveau des bagnoles, ça tombe tout seul, ça tombe tout seul. Alors, qu'est-ce qu'on va débloquer ? La Can-Am, ça me donne 1000 d'XP. Ok, je sors, je reviens. Ah, il est très très bon, les Mercedes AMG, j'ai toute la collection, qu'est-ce que je débloque ? Un tirage. Un tirage, ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai de beau encore ? J'ai Toyota. Un super tirage. Et vous savez quoi ? On y retourne. Allez, on y retourne. Le dernier, les deux derniers. Allez, ça n'en finit jamais. 250 000 balles, mais c'est génial. Et ensuite, le super tirage. Oh là 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 là. Mais c'est génial. Et franchement, j'ai bien fait. J'ai vraiment bien fait de refaire encore ces deux tirages. Et oui, si toi-même tu es jaloux, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Il n'y a pas de problème. Et je suis donc maintenant à 42 973 000. Je suis encore loin de mon objectif des 100 millions que je voulais atteindre. J'ai quand même 414 voitures dans le garage. 414 voitures dans le garage. Ça me donnera l'occasion d'ailleurs de faire un petit peu de tri prochainement. Et de pouvoir peut-être vendre ça lors d'un live pour que certains puissent les récupérer. Allez, on se retrouve très très prochainement pour la suite des aventures du garage de Mangalore. Portez-vous bien, amusez-vous bien, allez, à ciao.